Attendez, vous avez dit... un costume? C'est une blague. Bah oui. Venez, on ne s'arrête plus. Il faut que nous retrouvions le chemin de Solitude. Qu'est-ce qu'on va faire à un mariage à l'autre bout de l'Empire? Je vous l'ai dit, c'est le mariage de Victoria Vici, une marchande qui a d'excellents contacts avec la compagnie de l'Empire Oriental. La cousine de l'Empereur, vous vous souvenez? Avec un peu de chance, ces cadeaux la rendront bienveillante à notre égard. Nous assurerons le contrat d'importation et nous vaudrons même une audience auprès de l'Empereur. J'ai les chevaux les plus rapides de tout bord de ciel. Je suppose. Je viens justement d'en sceller un, si vous avez l'argent. Marché conclu. C'est celui avec la selle. Chevauchez, vite et loin. C'est tout ce que je demande.
Vous en avez assez de la soupe aux croûtons ? Tout juste sorti du poulet. Du poulet. Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak ou des côtes. Je suis là pour acheter à manger, Nazim. Ne vous en faites pas pour ça. Par le grand il y a beaucoup d'avantages. Oui, et en tant qu'homme, tu as dit, laissez-moi vous montrer le pouvoir de Talos, le roi de foudre, fils du Nord, où mon souffle est porteur de l'hiver. Je respire maintenant. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Farangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intrigant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Ah, oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du tertre des chutes tourmentées. Et visiblement en un seul morceau. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées ? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire, Farangar. Vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon ? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Ainsi, Rilet me dit que vous venez de la tour de Gay West ? Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé, au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la tour de guet ? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilet, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Rilet à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilet. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Thank you.
Soulevez-vous, sombrage! Écoutez la parole du puissant Talos! Est-ce que vous avez quelque chose d'un tant soit plus frais? Je vous assure, c'est on ne peut plus frais. Je chasse ce gibier moi-même tous les jours. Je suis content que vous veniez avec nous. On dit que vous avez les faveurs de Talos. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêt. Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Quoi ? Ça s'annonce mal. Vous avez bien entendu, j'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanchetrive. Mais, Huskarl, comment pouvons-nous affronter un dragon ? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Mais si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul ? Non, nous sommes morts. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en bord de ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous ? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir ? Oui ! Bien dit ! Oui. Ne restons pas là. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé, et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous, et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Garde, que s'est-il passé ici ? Où est le dragon ? Vite ! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le voilà.
Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Que Talos nous vienne en aide. C'est un dragon. Ici. Meurs, dragon. Lézard géant est bien mort. C'est du beau travail, messieurs. Que se passe-t-il? Tout le monde en arrière. Le Toum! Il invoque le Toum! Nous avons appris à ce dragon qu'il ne fallait pas se frotter à Blancherive, n'est-ce pas? Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Oui, je le pense. Vous pouvez crier maintenant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Des enfants de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines, comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Huskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravie de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blancherive au plus vite. Le Jarl Balgruuf voudra certainement savoir ce qui s'est passé ici.
Nous devrons franchir un grand nombre de coups. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Rien ! Que dis-je ? Pire encore ! La machine impériale applique les commandements du Talmor ! Contre son propre peuple ! Ah ! Vous voilà enfin ! Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Les Grisbarbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? Je savais que je pouvais compter sur Irilet. Mais il doit y avoir autre chose. Alors c'est vrai ! Les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive ? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tiber Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne ? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques ? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenici, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire ? Vous feriez bien d'aller au Rodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez, pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Rodgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Rodgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Je suis tellement en colère ! Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Ça prend du temps de faire une robe, Dany.
Bonne journée. Mais je veux pas attendre.